Salut à tous, c'est Alex et c'est parti pour l'épisode 32 de Alex dans les heures, encore une fois. Et hop, on monte sur la vache. Et c'était vers l'est, donc l'est, c'est par là. On retourne affronter le boss de fin, vu que je pense qu'il lui reste plus beaucoup de vie. Et après, dans les prochains épisodes, et bah, je sais pas ce qu'on fera, peut-être un petit peu de construction. Attendez, je me gratte. Et on a commencé à quelle heure? Attends, 45, on va dire. Bon, on fera sûrement des petites constructions, pourquoi pas affronter d'autres boss, peut-être essayer une tornade, j'aurais bien essayé une tornade, j'en ai pas vraiment, on en a aperçu, mais je sais pas trop ce que ça fait. Attendez, peut-être que la vache, elle monte aussi les rebords. Ah ouais, elle remonte les rebords, c'était pas ma cape qui faisait ça. Donc comment je vais rentrer? Ça serait peut-être intelligent que je mette des nuages bleus pour me propulser en l'air. Bon là, je tente vraiment comme ça, et si j'arrive pas, j'irai récolter des ressources, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc normalement, ici, comme ça, je peux y accéder. Parfait. Oh, hop. Oh, d'accord, je me fais des dégâts. Je vais peut-être enlever ça, ça serait plus facile pour moi de rentrer. Ah, est-ce que j'ai la lance? Ah, c'est parfait. Parce qu'avec la lance, c'est encore mieux, regardez. Hop. C'est vraiment excellent, ça. Par contre, là, vu que j'ai plus le pendentif, je sais pas si ça me protégeait énormément ou si ça faisait quelque chose d'autre. Ah, je crois qu'il y avait des trucs comme ça quand on était proche de l'eau, ou ça glaçait l'eau, ou un truc comme ça. D'accord. Ah non, c'est la vache qui me pousse. J'enlève tout ça. Histoire d'être tranquille. Et on va raffronter ce gros Bobby. Ah, ça détruit vraiment super loin. Par contre, je suis peut-être en train d'abîmer la lance pour faire des trucs qui servent pas à grand chose. Bon, tu restes là au cas où je gagne. Exactement. Par contre, cette fois-ci, je vais pas faire la même bêtise. Ça sera lui ou moi. Personne d'autre n'en sortira vivant. Je vais faire pareil là-bas. Oh! Ah, mais ça, c'est pas bon, ça. Non, j'avais pas pensé à ça. Hein? Ah, je peux pas mettre... Ok. Ça, c'est pas bon, ça, parce que... Oh non, comment je vais faire? Comment je peux... Oh, comment ça... Oh, je veux pas tricher, ça m'embête, là. Ah, j'avais vraiment pas pensé à ça, je suis un petit peu bête, par contre, là. Ah, parce que je vais tout récupérer en double et j'ai... Oh, comment je... je sais pas comment je vais faire. Je peux pas enlever mon armure que j'ai sur moi? Enfin... Soit je retourne dehors et je rejette tout... Soit je récupère tout ce qui est au sol et... Comment je peux faire? Ça va prendre du temps en plus. Bon, on va passer dessus et je rejetterai la moitié des choses après. Par contre, comment je vais faire pour... Je vais pas comptabiliser la nourriture et tout, c'est... En plus, je peux pas tout récupérer, donc tant mieux. Regardez tout le stock de nourriture que j'ai. On va pas se priver, hein. Comment je peux faire? On va diminuer tout ça. Hop, hop. Là, je la gaspille, je sais. Je diminue tout, hein. Hop. L'ambrosium, j'en avais sûrement moins, je pense. Donc là, ça fait rien. Voilà, je vais après jeter. Comment ça se fait que j'en ai que 16? Normalement, je devrais en avoir plus. Vu que je crois que j'en avais 12, un truc comme ça. Ah, punaise. Je suis désolé, c'était vraiment pas prévu. Bon, bah on va l'affronter. Désolé pour ce bruit d'eau. Bon, bah c'est parti. Je baisse un peu le son. Et... Let's go. Et... Préparation psychologique. Let's go. Let's go. Allez, c'est parti, t'es prêt? Moi, je suis prêt. Enfin, pas tout à fait. Hop, dans l'eau. C'est bon. Viens par là, toi. Faut jamais lui tourner vraiment le dos. Le bon. Ok, ok, pour l'instant je fais n'importe quoi. On commence fort, j'ai abîmé complètement mon armure. Allez, donne-moi un bloc argenté. Mais c'est bien, maintenant faut juste que je sache viser. Ok. Ok. En fait, esquiver les boules rouges, c'est vraiment un petit peu de la chance parce qu'il y en a tellement. Allez, avance! C'est bon, je suis dans l'eau. Regardez ça, j'arrive pas. Allez! Elle va exploser en plus. Juste quand j'arrive à côté d'elle, je suis... Ah, punaise. Oh, nom de Dieu. Oh,
Oh, fait exprès d'aller dans des endroits où je peux pas y aller, je suis sûr. C'est incroyable, on dirait que c'est vraiment fait exprès. Ah ouais, non, mais je pense vraiment que c'est voulu de me le mettre dans des endroits où je peux pas y aller. Hein. Tiens, espèce d'enfoiré, tu commences à me gonfler, espèce de gros bobby, tout pourri. Non, tu me tueras pas. Tu ne me tueras pas. Tu vas aller encore un coup et je pense que t'es mort. Faut que j'évite ces... Tiens, espèce de... Ouais, j'ai vraiment aucun mérite, tu vois. Il y a un truc qui s'est ouvert, non? Attendez. Ah, il y a la clé. Franchement, je veux pas vous mentir, j'ai l'impression d'avoir vraiment zéro mérite. Non, la clé. Faut que j'aille par où, par contre? Il n'y avait pas ça tout à l'heure. Non, ça... attendez. C'est peut-être par là? Je sais pas. Il m'a donné une clé, mais pour casser quoi? Parce que là, il n'y avait pas celui-là, je crois. Ça, c'est nouveau. Attendez, j'ai une clé, mais pour quoi faire? Ils sont malins, eux. Je rêve pas, j'ai une clé pour aller où? Ça, c'est moi qui ai mis la terre tout à l'heure. Il n'y a rien, on est d'accord. Je sais même pas pourquoi il y a ce truc de terre. Il n'y a rien, ça c'est pour retourner à l'extérieur. Oui, j'ai un peu aucun mérite parce que j'avais tous mes items, ça m'a fait plus de nourriture. Et même ça, je sais pas. C'est cool. Ah, c'est peut-être par là. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Parce qu'on avait des trucs vraiment propres depuis le début. Ça m'étonnerait que ça soit un truc comme ça. Non, c'est pas ça quand même. Ah. Là, j'avoue ne pas avoir. Il y a peut-être. Je sais qu'il y a des trucs qui ont bougé, mais j'ai pas fait attention à quoi. Je vais enlever l'eau déjà. Parce que là, ça commence à me gonfler. Hop là. On va enlever ça partout. Je vois pas, je suis désolé, il y a sûrement un truc sous mes yeux, je le vois pas. C'est bien, la vache au moins elle est restée là. Peut-être qu'il donne rien aussi, hein. J'ai une clé dorée, mais elle sert à quoi? Là est toute la question. Ah mince, je l'ai pas détruit l'autre. Hop là. J'ai pas détruit l'autre. Non, je vois pas. Désolé. Bon, on va continuer à creuser parce qu'il n'y avait pas ça avant, donc je pense que c'est peut-être tout droit. Ah oui, c'est la torche qui bloque. Je vais prendre quelques secondes à creuser tout droit parce que là, je vois pas. On va faire juste un conduit. Ah, d'accord, non, c'est extérieur. Punaise. Ouais, je regarde en fait des vidéos, mais là, combien de temps il nous reste? Il nous reste plus de 10 minutes, je peux pas faire une coupure comme ça pour regarder une vidéo. Une clé en or, ok. Je vois pas. On va faire déjà un truc, je vais jeter la plupart de mes équipements. Sans qu'on me pousse, ça serait bien. Alors, la moitié. Toi, tu t'en vas. Toi, tu t'en vas. Ça, ça s'en va. Y a quoi d'autre qui doit partir? Bah, la moitié, je suppose. Une lance. On va garder celle qui est abîmée. Ça, on jette. Ça, on jette. Ça, on jette. La moitié, je jette. Je jette la moitié. Je jette la moitié. La moitié aussi, la moitié de ficelle. Ça, j'ai jeté. Pourquoi j'en ai comme ça? Je crois que j'en avais 12 ou 13. 12, je crois. Hop, ça, on va jeter la moitié également.
Poisson moitié. Et je crois que c'est bon. Peut-être les torches aussi. Je crois qu'on est bon. Non. Ah, je comprends pas. J'ai ramassé un truc. Bon bah je sais pas, on va retourner à la maison, je regarderai pour le prochain épisode, je regarderai ce qu'il faut faire, tout de même ça va pas bouger je pense. Donc c'est pas très grave, vous inquiétez pas. On va retourner chez nous et maintenant faut que je sache ce qu'on va faire pour les prochains épisodes parce que là j'ai aucune idée en fait. Parce que maintenant c'est un petit peu fini mais ça me plaisait tellement cet univers que peut-être que vous ça vous intéressera peut-être plus forcément. Mais je retournerai bien affronter peut-être une Valkyrie ou des trucs comme ça juste pour rire. Ma maison elle est là-bas. On va retourner chez nous. Je sais pas trop ce que je peux faire. Ah, une tornade, je vais aller dedans. Tiens, juste pour rigoler. Voir ce que ça fait. Ah, ça commence là. Est-ce que ça nous tue directement ou ça nous projette en l'air? C'est tout? Là, c'est moi qui ai sauté. Hein. Moi, je suis un peu déçu de la tornade, mais elle devait être en fin de vie. Parce qu'elle n'est pas restée très longtemps. Bon bah on va aller à la maison, qu'est-ce que je pourrais faire? Elle est où ma maison? Elle est ici. Ouais bah c'est fini, hein. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Non je vais faire une pause, je vais regarder, j'arrive tout de suite, attendez. Bon, je suis allé faire un petit tour sur YouTube. Et apparemment c'est pas normal parce que sur les vidéos que j'ai pu trouver, enfin j'en ai regardé qu'une, et il y avait une salle qui s'ouvrait avec un coffre. Et apparemment, je sais pas pourquoi la salle ne s'est pas ouverte. Donc on va retourner, on va aller casser les murs. Donc c'est vers l'est. Ouais, on va aller faire ça parce que là, c'est incompréhensible. Normalement, il y a une porte qui s'ouvre. Et là, ce ne fut pas le cas. Donc on va aller casser nous-mêmes les murs. Ouais, c'est plutôt bizarre ça, pourquoi... Peut-être un petit bug, c'est compréhensible. Hein. C'est juste un mode, hein. C'est pas un jeu. Oh, c'est pas... Oh non! Non, 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 non. Oui, c'est bon, j'ai eu de la chance. On va aller en haut de cette arbre. Et là, normalement. Encore un petit peu plus haut. On voit rien avec la vache. Oh, je retombe au même endroit. Allez. Hop, hop, hop. Ah, c'est mieux, regardez quand même pour l'accès. Ah, je vais jeter ma pioche. Ça, c'est un petit peu bête. On descend de la vache, on se fait mal. Normalement. Ah, oh, c'est peut-être à cause de ma torche. Je pense. Ah, oui, parce que. Ouais, c'est sûrement ma torche qui a fait bugger. Okay. Et normalement, il y a ça qui aurait dû s'ouvrir. Avec le coffre de fin. Si je mets pas la clé aussi, ça risque pas de s'ouvrir. Tadam! C'est quoi ce truc pourri? Qu'est-ce que c'est que ce truc pourri? Oh, je plaisante. Alors, l'épée, combien de dégâts? Oula! Un peu pareil que celle-là en fait, mais. Vampire Blade, je vois pas ce que ça peut changer. Faut que je l'essaye. Pas sur ma vache quand même. Ah bah c'est. En plus c'est cool, c'est ce qui me manquait. Hop. Hop. Donc ça, je sais pas ce que ça change. Le médaillon, ok. Le casque. Ah bah ils ont. Ouais, ça a quand même bien morflé par rapport au reste de l'équipement. Bah, vous savez quoi, moi j'aimerais bien affronter un petit peu 2-3 Valkyries là pour tester mon épée. On va aller faire ça. Donc j'avais noté le donjon de la Valkyrie. Ouais, c'était ça, c'était moins 249, 297. On va aller faire ça un petit peu. On va se préparer pour aller affronter des Valkyries. Vous me direz, mais à quoi ça sert? Et bah, j'ai envie de rigoler un petit peu. Donc, c'est par là. Non, c'est pas tout à fait par là. On va se mettre à peu près moins 249, 297. C'est dans cette direction. On va y aller tranquillement. Je pense que de toute manière, il nous reste quelques minutes. On va en profiter pour aller casser la figure aux Valkyries. On va tester un petit peu mon épée. Je pense qu'elle doit être pas mal puissante. En plus, là, j'ai récupéré des chaussures, donc ça devrait aller un petit peu mieux. Hop, c'est par là-bas. Hop, hop, hop. Allez, saute. Comment je peux faire? J'aurais peut-être dû prendre ma passerelle. Est-ce que je peux aller... L'idéal, ça serait... Ouais, on va aller là-dessus. D'aller sur le nuage qui est là, peut-être. Je sais pas si tu peux le faire, la vache, si tu peux le faire. Punaise, espèce d'enfoiré. Tu vas pas le faire. On va aller ici, ça sera un petit peu plus haut. Là, normalement, tu devrais pouvoir y arriver. Non, c'est peut-être pas la bonne solution. Sur la porte. Hop, là, je peux pas être plus haut. Et. Je crois que c'était là-bas le donjon. Donc, on va faire. Hop!
Hop, hop, hop. Oh! Ah non, j'ai cru voir des blocs roses, pardon. J'étais tout content, il y avait de l'ambrosium. Et normalement, le donjon, en sautant comme ça, comme un kamikaze, devrait être là-bas, exactement. C'est parfait. Ah oui, aussi, j'ai lu vos commentaires. Oh! C'est peut-être un donjon normal, ça, tiens. Je savais pas qu'il y en avait un là. On l'a jamais fait celui-là en plus, je crois. Je crois qu'on l'a jamais fait. Comment ça se fait qu'il y a un coffre normal? Ah ouais, on l'a jamais fait, tiens, on va peut-être. Je vais l'indiquer avec des torches. Hop, ok. Ah, c'est cool ça. Donc c'est vers. Ok, c'est vers cette direction. Je sais pas si j'ai assez de nourriture. Oui, par exemple, avec les Valkyries. Moi, je pensais qu'il fallait être dans le noir pour les faire apparaître, mais c'est pas dans le noir. Apparemment, il y a des petites trappes lorsqu'on marche dessus. Ça nous les fait apparaître. D'après vous, encore. Alors, le temple, il est là. Oh, des petites fleurs blanches. Hop. J'espère que la vache m'attendra encore une fois. Ça serait cool de sa part. On va aller en tuer quelques-unes. Et après, ça sera la fin de l'épisode. Donc ici, j'avais fermé. C'est parfait. Alors, c'est par où? Ici, il n'y avait rien. Ah si, si, il y a l'étage. Ah, mais là, j'ai pas marché sur une trappe. Hein. Alors, est-ce que ça la tue plus vite? Ah mince, j'ai pas pris les autres médailles sur moi. Donc là, ça m'en fait 4 à peu près. On va aller voir ici. D'accord, ici, il n'y a rien. On ferme. Bon, on va utiliser celle-là, elle a l'air maxi puissante. En même temps, c'est une épée de vampire. Alors, si c'est pas puissant, une épée de vampire. D'accord. Il n'y a rien à cet étage. Hein. Allez, viens apparaître ici devant moi. Allez, 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 allez. Ah, c'est quand même beaucoup plus résistant, mon armure. C'est quand même beaucoup plus résistant. Bah, je pense que j'ai récolté quelques ressources quand même dans un autre épisode après. On a deux donjons. Je pense que je vais faire ces deux donjons et après j'arrêterai peut-être à X dans les heures. Je sais pas. Ok, c'est parfait. Oh! Un pantalon, c'est toujours cool. Bah, je vais te mettre ça dedans parce que j'en ai plus besoin. Hop. Oh, attendez, il y a plein de salles là. Oh, encore un œuf. Ça, poison, c'est pour faire les flèches. Je pense que j'en aurais plus besoin de ces trucs-là. Donc ça, on va fermer. Hop. Ici. Ok. Je vais mettre la lumière. Espèce d'enfoiré. T'étais tout seul hein, cette fois. Bon, il n'y a rien non plus. On ferme tout ça. Hop, hop. Il y avait quoi d'autre? Il n'y avait rien puisqu'on est arrivé par là, d'après ma logique. Alors. Yeah! Oh, Maxi Torch, c'est cool. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Hop. Ok, il y a plein d'accès. Ce que je vais faire, je vais juste fermer ce côté-là. Là, il y a une Valkyrie qui est apparue. Ça serait bien que je puisse la tuer. T'approches pas de moi! Pour l'instant, mon armure, vu que tiens, le choc c'est plutôt bien. J'en profite pendant que je l'ai encore. Parce qu'après, ma vie va énormément diminuer. Donc là, je vais fermer aussi. Ensuite, je vais vous mettre de la lumière. Je crois qu'il y a une Valkyrie derrière moi. Ah non, elle est dans les escaliers. Bah attendez, déjà, je vais explorer avant de les taper. Je vais explorer un petit peu. Ah là, ils apparaissent vraiment en nombre. Donc ça, je savais que c'était un méchant coffre. Hop, allez, viens par là, toi aussi. Non, passe pas devant la Valkyrie, sinon je vais te taper. Eh, mais... Pourquoi ma jauge de vie, elle remonte depuis tout à l'heure? Ah, c'est peut-être en tapant ma jauge de vie, elle remonte. Vu que c'est une épée de vampire. Je sais pas, c'est des suppositions. En tout cas, si c'est ça, c'est... C'est excellent. Je pense que là, je peux fermer ici. Ah, si je peux pas revenir. Hop. Ok. S'il y a rien. Tout ça, je ferme. Adieu. Tu sers à rien. Ok.
Ça va être encore des méchants. Je le tue quand même. Non, pas la Valkyrie, s'il te plaît, ça serait cool. Non, quand il y en a deux, c'est trop risqué. Adieu! Non, pousse-toi! Ah, en plus, elle me parle. Ah, c'est marrant ça. Donc, non, ça, c'est le chemin pour descendre. Bon, bah, je crois que j'ai tout fermé. Et là, normalement, il y a le boss. Enfin, le boss de fin de ce donjon qui devrait être juste en bas. Ah, par contre, je vais mettre de la lumière un petit peu. Poussez-vous! Vous êtes nombreux, dis donc. Alors, hop. Je vais aller chercher les médailles après chez moi. Ah, je me rappelais pas que ça descendait autant. Ok, faites voir. Ouais, ça, c'est identique à... au premier lieu où on avait été. C'est quoi là-bas? Il y avait un truc. J'ai pas rêvé, il y avait un truc derrière, je crois. Ah non, j'ai dû rêver. Ah, il a pas encore poussé l'arbre, c'est marrant. Ah oui, avec son épée toute pourrie en or. Bon bah je pense qu'on va la tuer dans le prochain épisode. Là je vais arrêter là. Je vais faire peut-être quelques... Ouais non je sais même pas si je vais faire des récoltes de ressources. Peut-être un tout petit peu mais pas grand-chose. Je vais juste retrouver la sortie. Parce que je vais aller chercher les médailles qui sont chez moi. Et aller chercher des ressources aussi comme je l'ai dit 700 fois. Aïe! Et c'est parfait. Ma petite vache, le petit point vert. Elle a dû faire le tour de la carte encore. Hein? T'es où ma petite vache encore? Qu'est-ce que t'es parti faire? Je te vois pas. Ah, t'es là, tu m'as fait peur. J'ai cru que je t'avais perdu, ma petite vache. Donc on va... Bon, on s'arrête là. Moi je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao! Salut!